Désolé, désolé. J'étais en train de faire passer une vidéo en streaming sur l'autre. Puis j'ai dormi. Parce que dites-vous que j'étais en train de bosser depuis 3 h du matin. Et c'est pas facile. Voilà. Donc je m'excuse vraiment auprès de tous ceux qui ont vu que ça ne jouait plus, mais il y a du noir qui passait. Je m'en excuse. Voilà. Bon, on va parler de la vidéo pour laquelle nous sommes là. Le sujet, c'est enlèvement en Côte d'Ivoire. Maintenant que j'ai ajouté le titre, on peut calmement maintenant faire la vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Quant à moi, donnez-moi juste le temps que vous vous abonnez. Permettez-moi de me réveiller bien. Voilà. Permettez-moi de me réveiller comme il se doit. J'espère que vous êtes connectés. Connectez-vous, on va atteindre les 1000 personnes rapidement, puis on va commencer la vidéo. Voilà. Ti 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 ti
veux boire de l'eau? Hein? Tu veux boire de l'eau? Vous savez, depuis un certain temps, y'a quoi? Comment tu le commandes? Comment tu le commandes? Merci. Y'a quoi? Y'a quoi? Où est ta voiture? Où est la voiture? Moi, je vois pas où tu as mis ta voiture. Ta voiture n'est pas ici. Attends, ah, la voici. Elle est en bas de la table. Hein? Voici ta voiture ici. Elle est en bas de la table. Non, passe ici, passe ici. Passe ici, passe derrière ici. Allez ici. Hein? Voici. Voilà. Ah, voilà. Ah. Voilà. Voilà. Super. Depuis un certain temps, nous assistons à l'enlèvement de plusieurs filles, des petites filles et des grandes filles. Et vous allez remarquer, non seulement c'est des personnes qu'on enlève, mais c'est essentiellement des filles qu'on enlève. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention, mais c'est uniquement que des filles. Et cette histoire est inquiétante. Ces faits sont inquiétants. D'autant plus que généralement, les femmes sont les plus vulnérables dans nos pays. Partout dans le monde. Les femmes et les enfants sont les plus vulnérables dans notre monde et dans ce pays-là. Et sont les femmes que les gens ont décidé d'avoir. Ouais. Hein? Ok, viens, viens te jouer ici. Non, pour laisser la voiture jouer. Non,
Là, moi, tu veux jouer. C'est garçon, je suis garçon. Moi, les pleurs, ça ne me dit rien. Voilà. Tu sais sur qui tu vas faire tes pleurs. Ça ne me dit rien. Pleure n'a jamais tué quelqu'un dans mon village, ni dans mon pays. Il y a des femmes, même, on les loue pour pleurer. Dans ça, ça ne me dit rien. Tu ne manques de rien. Si tu m'as fait de faire ça, tu Donc, comme je disais, non. Les femmes sont... Hé, hey, c'est quoi? C'est quoi? Tu ne peux pas jouer ici? Alors, donc, faut aller jouer là-bas? Va jouer là-bas. Si tu viens ici, tu dépasses cette barrière, tu viens ici, tu ne fais pas de bruit. On est d'accord? Un contrat. Pourquoi toi j'ai acheté ce nouveau truc quoi? Ne vous inquiétez pas, d'ici 2 mois je déménage d'ici. Besoin sera tellement balèze que il sera dans son coin là-bas, il sera dans mon coin. Voilà. La fois fatigue tout. Alors, qu'est-ce que je disais? Voilà. Ouais, non, c'est ce bruit-là, je ne voulais pas. C'est quoi il dit? D'accord, c'est du côté. Ça, c'est quelque chose, je ne peux rien contre. Connectez-vous, je vais atteindre les 1000 personnes et puis on va commencer la vidéo. Connectez-vous. Non, la clé, comment ça, ça c'est pour la chambre, c'est pas pour ici, c'est pour l'autre chambre là. Bon, on va reprendre à zéro. On va reprendre à zéro. Comme je vous dis, c'est pas facile.
Mais au fur et à mesure que je constate les anomalies, je me force à arranger la situation. C'est-à-dire que quoi? Je comprends que l'enfant viendra toujours me déranger lorsque je fais mes vidéos. J'ai décidé d'habiter dans un duplex désormais. Au moins là, les chambres sont en haut et une chambre sera en bas, là où je fais mes vidéos. Et comme ça, même quand je suis en direct, il ne sait pas que je suis en direct. Parce que c'est quand je suis en direct spécialement qu'il fait ça. Quand il ne voit pas les lumières et puis ne me voit pas assis ici, il est différent. Il est là-bas dans sa chambre, il s'habille seul là-bas. Dès qu'il voit les lumières ici seulement, et qu'il voit que je m'assois net là, c'est là maintenant il doit venir faire le show. Pour montrer qu'il est là. Voilà, c'est lui Naël. C'est lui Naël. Il faut qu'on sache qu'il est là. Même quand je suis au téléphone, c'est comme ça. Quand je suis au téléphone, quand je fais rien, je suis en train de regarder la télévision, comme il a sa télévision, il ne me dérange pas. Mais dès qu'il attend, c'est surtout quand, c'est à cause de lui acheter au réel. Mais quand il met sur haut-parleur, et puis je suis en train de parler, c'est là qu'il va venir à côté. Il va commencer à sauter maintenant, crier. Ouais, mais moi, un médicament de ça, je sais que la seule chose qui peut remplacer cela, qui peut régler tout ça, c'est duplex. Voilà. Où chacun a sa chambre et puis on est un peu éloigné. Voilà. Ou quand je parle, il ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui parle au téléphone quelque part dans la maison. Quand il y a du bruit quelque part ailleurs, il ne sait même pas. Voilà. Ou son baby moniteur là, et puis ça contrôle de loin, je contrôle sa chambre, je sais ce qu'il fait, tout et tout. Ça, c'est ce qu'il me faut pour régler ça là. Et je vais régler ça d'ici 2 mois. Rapidement. Voilà. Bon. Mais je n'avais pas prévu tout ça. Vous le savez, parce que j'ai toujours vécu seul. Voilà. Je n'avais pas prévu tout ça. Et bon, voilà. Maintenant, donc, on voit que non, ça l'a fait défaut. Ça l'a fait défaut. Donc, il faut arranger au fur et à mesure. Voilà. Ceux qui ont l'expérience, eux, ils savent déjà. Ben, je vous. Ceux qui vivent dans les pièces où tout est en bas, là. Vraiment. C'est pas comment vous arranger, mais ça doit être difficile. Hein? Ou tout en bas, là. Et puis, encore plus d'un enfant, là. Ça doit être vraiment difficile. Vous arrivez même, vous bougez ici, il est là. Vous bougez là, il est là. C'est pas vraiment compliqué. C'est pas moins compliqué. C'est bien lorsque tu n'as rien à faire et que, bon, l'enfant veut s'amuser avec toi, il veut faire chose, il veut que tu le regardes. Souvent même, c'est pas parce qu'il veut s'amuser avec toi, en fait, si c'est pour lui, si c'est de l'abusement, hein. Souvent, il a envie juste que tu le regardes s'amuser, crier, faire tout et tout. Et c'est en ce moment-là que tu as des choses à faire. Souvent, c'est là que ça devient un peu gênant. Sinon, c'est pas mauvais. C'est au contraire, c'est super de voir son enfant s'amuser. Tout, mais l'enfant doit comprendre que il y a des factures, on doit sortir par moment. On doit parler au téléphone par moment, tout ça là, ça fait partie de là où provient l'argent pour payer les billes. Mais lui ne comprend pas ça, il croit que ce monde là c'est fait d'abusement, tout est abusement chez lui. Et on a tous fait ça, on a tous été enfants, on ignorait tout ça, voilà. Donc on est tous passés par là. Voilà. C'est normal, mais c'est maintenant qu'on comprend que, ah oui, donc c'est comme ça qu'on était quand on était petit aussi, c'est comme ça qu'on fatiguait nos parents. Et on s'est rencontré hier. C'est là que tu te rends compte que vraiment, il faut toujours bénir les parents, il faut toujours prêter attention à leur vie, parce qu'on les a vraiment fatigués, quoi. Quand on est grand, on croit qu'on est né grand. On a été petit. Voilà. Bref. Donc, je disais tout à l'heure que les gens spécifiquement ont décidé de prendre les plus faibles de la société, c'est-à-dire les enfants et les femmes. Ont décidé de prendre les enfants et les femmes. Et leur stratégie, c'est quoi? Vous montez dans un taxi en Côte d'Ivoire, et il y a quelqu'un derrière le taxi, ou bien ça peut être simplement quelqu'un qui est assis derrière le taxi, ou quelqu'un qui est dans le fort coffre. Donc vous voyez un taxi, vous pensez qu'il n'y a que le chauffeur et vous. Le taxi est vide, le chauffeur est bien habillé, vous dites que... Il est très bien habillé, donc il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Il inspire confiance. Et vous montez dans le taxi. Quand vous asseyez dans le taxi, il y a quelqu'un derrière qui va sortir quelque part là pour vous mettre quelque chose, un produit sous le nez. Vous allez inspirer le produit, vous allez respirer le produit et puis paf, c'est fini.
vous endormez et on vous emmène où ils veulent. Ça, ça fait un. Ou alors, quelqu'un assis dans le taxi avec vous, vous pensez que ces choses, il va se retourner un coup, il va vous mettre quelque chose sur le nez. Et puis, paf, ils vous font dormir. Et puis, ils partent avec vous. Mais pourquoi? Parce que je vais vous ramener d'abord à cette histoire de Boko Haram lorsque des filles ont été enlevées dans une école. À un moment donné, au Nigeria, Boko Haram n'enlevait que les filles et les enfants. Pour faire quoi? Pour entraîner les enfants à devenir des enfants de guerre. Et les filles, pour que les filles fassent la cuisine pour eux, pour que les filles, ils enceintent les filles, en fait c'est leur plaisir sexuel. Pour qu'ils enceintent les filles et après qu'est-ce qui va s'en suivre? Ce sont des enfants qui vont être faits parce que cette guerre est faite sur plus de 10 ans. Donc, lorsqu'un enfant naît, après 12 ans, 13 ans, 14 ans déjà, l'enfant est apte à faire la guerre. Voilà la stratégie. Mais pourquoi cela se dirige aujourd'hui vers la Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire aujourd'hui que... Excusez-moi. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire aujourd'hui que ces gens se dirigent? Et c'est pourquoi vers Boaké? Parce que tous celles qui ont été retrouvées après, je ne sais pas pourquoi, mais bizarrement, des gens prennent les gens. Et puis, on nous raconte des histoires, non, on m'a laissé, et puis je me suis enfui. On prend les gens, on prend les filles, on les amène quelque part, et après, on les relâche. Et elles, toutes, elles ont à peu près le même récit. La petite fille qu'on avait retrouvée, on ne sait pour quelle raison, la police a récupéré la petite fille avec une femme, d'après ce qu'on a appris. Mais la femme en question, on ne sait pas quelles étaient ses intentions, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle prenait cette fille, où elle amenait cette fille, on ne sait pas. Et pourtant, le problème est toujours là. Les gens continuent. Cette femme qui est arrivée, elle n'est pas capable de nous dire exactement dans quelle zone on l'a amenée. Qui sont ces personnes? Elle a dit que c'était des personnes cagoulées, des personnes habillées en treillis. Elle-même, elle avait les yeux bandés. Elle a marché pendant des kilomètres, voire des jours, pour retrouver carrément, pour aller près de Boaké. Mais le plus curieux dans tout ça, c'est qu'elle a dit qu'il y avait une voie plate. Et tout le monde sait que la voie partant vers Boaké, la seule voie vraiment très plate, qui est longue, qui est très plate, c'est le tronçon Abidjan-Yamoussoukro. Vraiment, c'est très long. C'est très, très, très long et ça fait des jours. Et c'est très plat. Tout est éclairé. Mais comme ils étaient dans un camion, je voudrais lancer un appel aux autorités en Côte d'Ivoire. Ça ressemble bien à des actes terroristes pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ces filles seront enlevées, elles sont transportées quelque part. Ça peut être, je dis bien, ça peut être dans le Sahel, ça peut être dans le Sahel, dans le nord du Mali. On prend généralement, la plupart des filles qu'on prend jusque-là sont des filles un peu claires ou des filles très jolies qui ont juste la beauté des filles peules. La dernière, l'avant-dernière plutôt, elle avait dit que toutes les filles étaient claires, il y a une qui avait tatouage sur elle, ils l'ont tuée. Pourquoi? Parce qu'elle avait tatouage sur elle. Parce que les musulmans ne mettent pas tatouage, généralement. Parce que c'est interdit par l'islam. Donc, ça veut bien dire que les gens qui font ce genre de trucs ne viennent que soit du nord du Mali, soit du nord du Burkina. Les terroristes qui y sont, c'est ceux-là qui viennent se servir en Côte d'Ivoire. Mais la question que je me pose, pourquoi traverser tout le Burkina? Pourquoi traverser tout le Mali jusqu'à venir en Côte d'Ivoire pour prendre des filles? Cela peut s'expliquer de deux différentes façons. La première façon, c'est qu'on n'amène pas les filles hors de la Côte d'Ivoire, donc les filles ne viennent pas du Sahel, les gens, les terroristes ne viennent pas du Sahel. C'est les gens qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont en train de se préparer, qui sont en train de créer une base terroriste en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on amène effectivement les filles vers le Mali, le Burkina Faso. Mais pourquoi donc dépasser? Il y a des jolies filles claires au Mali. Il y a des jolies filles claires. D'ailleurs même, il y a plus de filles claires, naturellement claires. Je ne parle pas de celles qui ont mis produit. Naturellement claires au Mali. Et au Burkina, il y a des peules là-bas. Dans les deux coins, il y a des peules là-bas. Pourquoi dépasser toutes ces filles peules? Qui sont naturellement claires, naturellement des nez fins, naturellement belles. Pour venir jusqu'en Côte d'Ivoire où nous n'avons pas de peules. Les seules qui peuvent ressembler à des peules, les seules filles naturellement jolies,
qui sont vraiment choses qu'on a en Côte d'Ivoire, ce sont les choses, comment dire, les Odineka. Les filles Odineka sont des vrais malinqués qui viennent un peu du Sahel, avec eux qui ont des ancêtres qui viennent un peu du Sahel. Donc elles ont cette beauté de peules là, par moment. Ça voudrait dire qu'il y a plus de chances que ça ne soit pas vers le Sahel qu'on les amène. On les amène à Boaké qui est au milieu de la Côte d'Ivoire. Pourquoi Boaké? Parce que Boaké est une zone contrôlée par peut-être l'État, mais pas l'État vraiment. Par des zones. C'est-à-dire que toute la zone de Boaké jusqu'à présent, après combien d'années? Après 10 ans de prise de fonction d'Alassane Draman Ouattara, la zone de Boaké n'est pas encore totalement sous contrôle gouvernemental. Mais là, ce que je peux vous assurer ici, ce sont des terroristes. Et quand on dit terroristes, c'est des gens qui cherchent toujours à attaquer le pouvoir. Les terroristes attaquent la population, oui, mais leur objectif final, c'est le pouvoir. Il va falloir que le gouvernement ivoirien prenne des mesures strictes. D'abord, un, ces gens ne travaillent pas seuls. Ces gens travaillent avec les policiers et les gendarmes, les corps habillés, les militaires et tout ça, qui sont sur le tronçon, en tout cas, sur la route. C'est-à-dire qu'en quittant Abidjan, jusqu'en partant vers Yamoussoukro, Boaké et tout ça, peut-être même les frontières. Je voulais exhorter ici le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour changer tous les chefs des forces de l'ordre. Parce que ceux qui sont là en ce moment sont tous corrompus. Ce n'est pas facile en Côte d'Ivoire que tu transportes quelque chose d'illégal dans une voiture, alors que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme aux États-Unis où il n'y a pas de barrage. Aux États-Unis, ici, il n'y a pas de barrage. Si tu vois que le policier t'a arrêté pendant que tu roules, c'est que soit il a eu des sons, quelqu'un lui a dit que tu transportes quelque chose d'illégal, ça fait un. Soit, peut-être que toi-même, soit tu roulais un peu trop vite, donc tu as dépassé le speed limit, c'est-à-dire que le truc de vitesse, tu as dépassé ça, donc tu as tiré ton attention, il va t'arrêter. Et pendant ce temps, il va profiter pour regarder dans ta voiture, regarder tes façons de faire. Et puis peut-être que c'est dans ça qu'il peut trouver quelque chose. Contrairement en Côte d'Ivoire, où pratiquement, même quand tu vas à Divo, il y a des barrages. D'abord même, le corridor. Tu ne peux pas quitter Abidjan même sans que on ne te contrôle. Donc, il faut que les fouilles reprennent sérieusement. Si les fouilles ont été arrêtées, il faut que les fouilles reprennent parce que les gens qui sont là, ce sont des terroristes, ce sont les actes de Boko Haram. Soit c'est Boko Haram, soit c'est des gens qui s'inspirent de Boko Haram et qui prennent nos filles. Et ça ne va pas s'arrêter tant que les forces de l'ordre n'ont pas joué leur rôle. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas, changé tous ces complices dont ils se servent pour passer. Parce que normalement, tu ne peux pas quitter Abidjan. Tu ne peux pas sortir d'Abidjan avec un humain dans ta voiture ou bien dans un camion sans qu'on ne te voie. Ce n'est pas possible. Si cela est fait, c'est avec la complicité des forces de l'ordre qui sont en service. Et moi, je suis étonné que les policiers et les gendarmes fassent leur travail, qu'on retrouve les filles et tout, tout et tout, mais que les gens ne s'intéressent pas. Mais comment est-ce que ces filles-là se sont retrouvées à Boaké? Deux jours avant, elles étaient en train de vaquer à leurs occupations, et un beau jour, un taxi les prend, et elles se retrouvent à Boaké. Sans qu'aucune force de l'ordre n'arrive à savoir comment elles ont pu quitter Abidjan. Surtout que nous connaissons notre système de sécurité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous voyez que les vendeurs de drogue sévissent en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont des complices. C'est les complices qui les font passer, qui les laissent passer avec la drogue d'Abidjan jusqu'à Divo, d'Abidjan à Boaké, ainsi de suite. Et c'est pareil pour les humains. Mais pour les humains, c'est plus grave. Parce que si dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, si ces terroristes-là ont des complices là-dedans, ça voudrait dire que le gouvernement lui-même, il est en danger. Ça voudrait dire que le système lui-même, il est pourri. Je sais bien que des gens diront que ce n'est pas possible et que forcément le gouvernement a la main à voir là-dedans. Je vous dis une chose. Dans chaque activité, dans chaque crime, il faut un motif. Selon vous, le gouvernement va prendre ses filles et ses petites-filles pour en faire quoi? On me dit, moi j'ai appris parce que j'ai causé avec des gens avant de faire ma vidéo, on m'a dit que non, pour vendre leurs organes. Non, c'est trafic d'organes. Non, ce n'est pas possible. Trafic d'organes ne se fait pas qu'avec des filles. Pourquoi on ne prend pas les garçons? Pourquoi on ne prend pas des petits garçons aussi? Parce qu'eux aussi, ils ont des organes. Et les filles qu'on relâche,
Pourquoi on les relâche? L'autre, elle a dit que parce qu'elle avait subi une césarienne, alors on l'a relâché pour ça. Pas relâché, mon pater l'a tué. Et puis le gars a eu pitié d'elle, il l'a relâché. Mais vous voyez, alors que même quand on a césarienne, on a des organes qui marchent. Il y a tes poumons, il y a ton cœur, il y a tes reins. Il y a plein de choses qui marchent encore sur toi. Alors pourquoi le gars a dit, mon patron ne va pas prendre cela? Ça voudrait dire que ça n'a rien à voir. Déjà, enlever cette histoire de gouvernement dedans et enlever cette histoire de trafic d'organes dedans, enlever ces histoires de sacrifices-là. On ne les prend pas pour faire du sacrifice humain. Parce que le sacrifice humain, on ne le fait pas qu'avec des filles, ni avec des jeunes filles, des petites filles de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans. Le trafic humain, ça se fait avec n'importe qui, même avec des vieilles personnes. Mais ces gens choisissent juste des jeunes filles, apparemment jolies, qui prennent, et des bébés, des enfants de 5 ans, de 4 ans, de 6 ans, qui prennent pour aller avec. C'est un acte terroriste et c'est une organisation terroriste qui est en train de s'implanter en Côte d'Ivoire. Et après, ne soyez pas étonnés, pour l'instant, c'est une à une qu'on les enlève. Ne soyez pas étonnés qu'un beau jour, les gens arrivent dans une école et qu'on prenne tous les petits garçons et toutes les petites filles, parce que cela va arriver. Pour l'instant, on ne prend que des filles parce que les gens en ont besoin pour en faire des objets sexuels, soit pour le trafic, pour les vendre. C'est-à-dire que vous savez aujourd'hui, le commerce du sexe, ça marche. Ça marche, oui. Les Arabes en ont besoin. D'ailleurs, je vous apprends que nos frères et sœurs qui traversaient à un moment donné à partir de la Libye, elles ont été vendues. Ils ont été vendus, femmes comme garçons. D'autres même ont été mougou par derrière. Concernant les garçons, les filles même ont été mougou par devant et derrière. Donc, vous le savez, ce trafic-là existe déjà dans le Maghreb. Il n'y a que les Arabes qui font ce genre de truc. Donc, imaginez maintenant, comme les gens ne vont plus trop, parce qu'on a tellement parlé sur les réseaux sociaux, que les gens ne vont plus trop vers la Libye, vers l'Algérie, vers la Tunisie et autres, pour traverser. Imaginez-vous un seul instant que maintenant les gens viennent les chercher maintenant en Afrique noire, où maintenant on les prend bébés, elles vont grandir jusqu'à partir de 10 ans, on va les laisser grandir jusqu'à partir de 10 ans, et on va commencer à abuser d'elles, on va commencer à les vendre. Imaginez-vous ces grandes filles-là, elles vont servir de cuisinières, elles vont laver leurs habits, prendre soin d'eux, et puis en même temps, elles vont être des objets de plaisir. 5-10 garçons par jour vont passer en elles, et ces gens vont prendre cet argent dont ils ont besoin en réalité pour faire la guerre, pour acheter des armes, pour acheter des munitions, pour acheter de la nourriture, pour faire tout. Et pendant ce temps, ces filles-là même vont les nourrir. Faisons très attention parce que c'est comme ça que les gens s'organisent. On va rester là en train de dire que non, c'est juste des bandits, qui est trafic d'organes, on va inventer des histoires. Non, 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 mais c'est un réseau qui est en train de se mettre en place. Et ça m'étonne que le gouvernement, parce que ça fait des mois que cette histoire est dure, et le gouvernement n'a même pas encore fait une annonce officielle pour essayer de sensibiliser les gens et essayer de dire aux gens de ne pas monter dans les taxis comme ça et renforcer le système de sécurité avec les taximètres. Renforcer non seulement le système de sécurité avec les taximètres pour voir qui est réellement taximètre en Côte d'Ivoire, qui ne l'est pas, parce que n'importe qui peut peindre une vieille voiture, il suffit de mettre un moteur dedans, il suffit de peindre la voiture en rouge et la voiture passe. Et toi, l'usager, tu penses que c'est un taxi. Je vous exhorte, parce que lorsqu'il y a urgence, lorsqu'il y a un problème dans un pays, c'est là que le système change. Regardez bien, je suis allé en Corée et j'ai vu le système de taxi là-bas. En Corée, il est très difficile, presque inexistant, d'arrêter un taxi dans les rues comme ça. Ils ont des coins où ils gardent. Les taxis gardent dans un coin. Et aucun taxi en Corée ne peut rouler s'il n'est pas affilié à une radio. C'est-à-dire que les taxis ont une radio. Et leur radio qu'ils ont, avec leur radio qu'ils prennent pour communiquer dans leur taxi, correspond au numéro qui est sur le taxi. Donc ça veut dire que, forcément, quand on va te dire le numéro du taxi qui n'est pas sur le taxi, mais qui est au-dessus du taxi, comme ici aux États-Unis, pareil, les taxis ont un numéro qui est toujours au-dessus du taxi, pas collé à côté du taxi. Souvent, d'autres même pour eux, ils mettent au-dessus et à côté du taxi. Donc, c'est ces numéros-là qui vont permettre aux gens de faire choses. Sinon, c'est trop facile. Quelqu'un peut prendre n'importe quelle voiture et transformer ça en taxi, s'il met une couleur rouge dessus. Et puis, ça devient un taxi. Et dans les rues, on a l'habitude d'arrêter les voitures comme ça. Non, il faut que ça s'arrête. Les taximètres en Côte d'Ivoire deviennent dangereux. C'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ces histoires d'enlèvement nous interpellent. Mais nous ne sommes pas à notre premier enlèvement en Côte d'Ivoire. On a vu le temps de Dramera, qui enlevait les filles dans une
Mercedes noire. On a vu autant de Gbagbo Laurent. Ça, c'était Dramera, c'était autant de Bédier. Autant de Gbagbo Laurent, il y a eu des enlèvements de gens aussi. Autant de d'Alassane, pareil. Mais il va falloir à un moment donné, parce que les gens, c'est pas parce que les autorités compétentes arrêtent les gens. C'est quand les gens arrêtent d'eux-mêmes. Pour Dramera, il a fallu que la population de Divo elle-même, elle arrête ça, elle mette fin à cela. Mais les autres, bon, ça continue à un certain moment donné. Mais il faut que le gouvernement essaie de voir, parce que nous parlons de vie humaine. Nous parlons de vie humaine. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'il s'agit de la sécurité de l'État qui est menacée immédiatement, directement, c'est en ce moment que les gens prennent les dispositions pour... Mais lorsqu'il s'agit d'un Ivoirien, une Ivoirienne, on a vu un cas, deux cas, ce n'est plus une question de grand banditisme. Ça, c'est une sécurité d'État maintenant. Il s'agit de la sécurité d'État. Donc la DSC, le district de territoire, le district de sécurité du territoire, la DST doit être impliquée. Le service, comment dire, les services spéciaux en Côte d'Ivoire doivent être impliqués. Et on doit mettre tout cela aux arrêts et leurs complices. Il paraît même qu'il y a un même qui parle dedans, qui a l'accent anglais. On ne sait pas d'où ils viennent. Toutes les frontières devraient être vues, que ce soit la frontière du Libéria, la frontière du Mali, la frontière du Burkina, la frontière de la Guinée, la frontière du Ghana. Toutes ces cinq frontières devaient être revues. Toutes ces cinq frontières, on devait changer le système pour réellement sécuriser. Et nous devons voir, j'aimerais implorer le président de la République pour nous faire une vraie frontière avant de quitter le pouvoir. Il faut des vraies frontières. Réellement, la Côte d'Ivoire n'a pas de frontières. Nous avons des brousses qui nous séparent des autres. Une frontière ne doit pas être une brousse. Une frontière doit être un espace grand comme ça, d'où on peut voir l'autre pays sans que quelqu'un ne passe à côté et qu'on ne voit. On doit avoir des ampoules et des gardes pénitentiaires arrêtés de quelques mètres, de sorte que même quand de là-bas ils tirent sur quelqu'un qui est en train de passer dans cet espace-là, souvent même les espaces sont minés. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien de tout ça et c'est les gens qui meurent. Vous allez faire le décompte comment? Aujourd'hui, nous sommes à la quelième personne, quelième disparition. Il faut encore combien de personnes pour que ça devienne une affaire d'État? C'est déjà une affaire d'État, monsieur le président. Monsieur le président, je vous en prie. Et si vous ne vous amusez pas, vous avez encore trois ans, je dirais même quatre ans à faire. Parce que nous sommes en 2022 et nous ne sommes qu'au début du mois de février de 2022. Vous avez encore quatre mois à faire parce que c'est en octobre prochain, en octobre 2025 que vous allez quitter le pouvoir. Les quatre ans là, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Il y a quelque chose qui se prépare contre vous, monsieur le président. Contre l'État ivoirien, contre la population ivoirienne. Et ça se passe sous vos yeux. Et moi, j'aimerais vous prévenir que ça, ce n'est pas réellement, je vous dis, je vous assure, ce n'est pas le grand banditisme dont on a l'habitude de parler. C'est plus que du banditisme. Les gendarmes, déjà, après cette vidéo, j'espère que vous allez changer les gendarmes et les policiers qui sont déjà sur les corridors. Vous allez les changer parce que c'est des gens qui sont corrompus. C'est avec leur aide que ces voitures-là passent. C'est avec leur aide. Si jamais ils fouillent les voitures et que les voitures passent devant eux, sans les filles, et que les voitures passent dans Andokwa, dans chose, comment déjà? Oui, dans Andokwa, vers chose-là, contournent et sortent de l'autre côté, puis font monter les gens de l'autre côté. Dans ce cas-là, il faut mettre des policiers, des gendarmes un peu partout vers là-bas, de sorte que personne ne puisse contourner le corridor. Parce que vous voyez, le corridor est mis là où le corridor de Yopougon est là. Un corridor ne se place pas à ce lieu-là, normalement. Le corridor était là parce qu'il n'y avait pas de quartier derrière. Ce corridor est envahi par le quartier désormais. Il est dans le quartier. N'importe qui, n'importe quel vendeur de drogue, n'importe quel vendeur de stupéfiants, n'importe quel trafiquant d'organes humains ou bien de trafiquants d'hommes peut facilement passer à travers ce corridor. Parce que moi, si j'ai des trucs dans ma voiture, je n'ai qu'à enlever, je prends une moto, je dis à quelqu'un de prendre une moto, de contourner le corridor, passer dans le quartier, de me donner ça devant, je prends le corridor, les gens vont contrôler la voiture, je finis de passer le corridor, je vais un peu devant là-bas, la personne arrive là, parce que c'est le quartier, il y a des routes là-bas. Il y a des routes là-bas. Donc le corridor devait avancer un peu encore. Le corridor doit être derrière le quartier. Derrière carrément le quartier. Doit être très éloigné du quartier, de sorte que aucune voiture, qu'on s'assure qu'aucune moto, aucune voiture, aucune personne
ne peut contourner le corridor pour livrer quoi que ce soit à un camion. Voilà des dispositions qu'il faut prendre. Quant à moi, je vous assure que ce sont des terroristes. Et ces terroristes-là, leurs actes, leur intention, c'est de prendre le pouvoir. Je ne sais pas qui est derrière. Ça peut être n'importe qui en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous savez très bien que vous n'êtes pas aimé par l'opposition. Et quand je dis l'opposition, ce n'est pas seulement, je ne vous parle pas de Bédier et le PDCI, je ne vous parle pas de FPI et Babo Laurent, je ne vous parle pas de FPI et Afin Dessan, je ne vous parle pas de tout ce que vous connaissez là. L'opposition, ça peut être quelqu'un qui ne vous aime pas, mais qui a les moyens et qui est là en Côte d'Ivoire, qui peut se mettre dans des actes terroristes juste pour vous nuire. L'opposition, c'est n'importe qui. L'opposition, c'est tous ceux qui ne sont pas d'accord que vous soyez au pouvoir. Ce n'est pas forcément des gens qui ont créé des partis politiques. Sachez que, monsieur le président, pour qu'on attaque Gbagbo en septembre, le 19 septembre 2002, ce n'est pas un parti de l'opposition qui avait attaqué Alassane Dramont, qui avait attaqué Gbagbo Laurent. On ne savait pas. Des gens se sont levés, ils sont allés attaquer. C'est après qu'ils se sont donné des noms. Force aux rebelles, JPI, quoi. C'est après MPGO, MPCI et tout ça. C'est après qu'ils se sont donné des noms. Donc, ne voyez pas l'opposition comme des gens qui doivent avoir, qui ont des partis politiques, qui sont là, avec qui vous discutez tous les jours. Ça, c'est l'opposition aussi. Mais l'opposition, c'est n'importe qui que vous ne connaissez pas, mais qui a des idées, qui a envie de prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Soit par les élections, soit par les urnes, par les armes. Moi, je peux être l'opposition, sans que vous ne sachiez. Je peux être l'opposition à l'approche des élections en Côte d'Ivoire. C'est là que je vais me déclarer candidat indépendant, par exemple. C'est juste un exemple que je donne. Je suis là, je parle sur les réseaux sociaux, vous me voyez. Mais à l'approche des élections, je peux aller, je dis je suis candidat. C'est en ce moment qu'on saura que je suis opposant. Sinon, pendant tout ce temps, peut-être que j'ai été opposant, mais personne ne saura que je suis opposant tant que je n'ai pas déclaré ma candidature. Voilà. Donc n'importe qui, sachez que dès que vous êtes au pouvoir, que ce soit même dans votre propre camp, dans votre parti politique, même dans votre propre famille, tous ceux qui ne sont pas au pouvoir avec vous sont de l'opposition. Et même ceux qui sont au pouvoir avec vous, qui sont vos ministres, peuvent être de l'opposition. Parce qu'on a vu ici des ministres, après que, à la veille des élections, ils ont rendu démission et ils ont été candidats contre leur président. On a vu ça. Voilà. Ça s'est passé au Burkina Faso, ça s'est passé partout ailleurs. Donc, vous ne dites pas que vous êtes peut-être exceptionnel et que ce genre de truc ne pourra pas arriver. Vous avez le devoir de sécuriser les Ivoiriens. Et je crois que vous ne devez pas attendre que des coups de fusil résonnent dans l'obscurité pour que vous preniez ça au sérieux. Vous ne pouvez pas attendre qu'on dise que la présidence a attaqué pour prendre ça au sérieux. Vous ne pouvez pas attendre qu'on dise que le corridor de Yopougon a attaqué. Ou alors, un camp de gendarmerie ou bien de l'armée ivoirienne a été attaqué dans Abidjan avant que vous preniez ça au sérieux. Monsieur le Président, c'est pourquoi les grandes puissances existent. Parce que les petits trucs comme ça, eux, ils vont voir derrière ça, d'où ça vient et ce qui est derrière ça. Mais apparemment, nous en Côte d'Ivoire et nous en Afrique généralement, on aime trop dormir sur ce genre d'informations. Tant que c'est la population qui est indexée, tant que c'est la population qui subit, on s'en fout. Tant qu'un membre de notre famille n'est pas concerné, on s'en fout. Tant que le quartier où nous vivons n'est pas concerné, quand on parle d'insécurité, on s'en fout. Tant que notre village n'est pas concerné, quand on parle de sécurité, on s'en fout. Jusqu'à ce que le pire arrive. Et c'est en ce moment même qu'on cherche les voies et moyens pour réparer l'irréparable. C'est lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002 que maintenant la Côte d'Ivoire a cherché maintenant à acheter des armes. Que la Côte d'Ivoire a cherché maintenant à changer son chef d'état-major, que la Côte d'Ivoire a cherché maintenant à changer son le ministre des forces de l'ordre, et ainsi de suite. Vous attendez toujours que le mal arrive avant de chercher les solutions. Et pourtant, il est mieux de chercher les solutions, il est mieux de trouver un système crédible pour faire les enquêtes qu'il faut pour pouvoir découvrir qui fait cela. Maintenant, j'aimerais dire aussi aux gens, parce que vous les filles, vous êtes les plus vulnérables et c'est vous qui aimez trop sortir la nuit. C'est vous qui aimez trop sortir taxi par là. Mais attendez, soyons très sérieux et je vais vous donner des tips. La Côte d'Ivoire est un pays
sous-développé, est un pays sous-développé. Donc vous comprenez que l'insécurité, c'est partout. Dans tous les pays sous-développés dans ce monde-là, l'insécurité, c'est partout. C'est à vous-même de vous protéger d'abord, parce que si vous comptez sur l'État pour vous protéger, l'État vous protégera seulement après votre mort. C'est là que l'État vient protéger. Vous comprenez? Et quand ils viennent vous protéger, ils viennent avec des sachets où ils vont vous mettre et puis fermer avec fermeture éclair et puis vous déposer à la mort. Vous ne pouvez pas attendre ce moment. La Côte d'Ivoire devient dangereuse. C'est à vous d'éviter d'être la prochaine victime. Évitez même de prendre les taxis. Évitez de prendre les taxis. Vous comprenez, non? Et si vous voulez prendre un taxi, allez-y là où il y a des policiers, partout il y a des policiers où ils font les trucs là. C'est là que vous prenez le taxi. Soyez sûr que le policier là prenne sur son téléphone, photocopie. Parce qu'il n'y a que le policier seul qui est capable de prendre son téléphone pour prendre photo de pièces d'identité de quelqu'un. Donc vous êtes dans un quartier, vous voulez prendre votre voiture, vous voulez prendre un taxi, allez-y là où les policiers sont là, généralement. Ils sont pas armés. Les policiers ivoiriens, désormais, ils ne sont pas armés. Ce n'est pas grave. Mais vous prenez un taxi là, et le monsieur, le policier, va prendre photo du taxi. Il va prendre photo de la pièce d'identité du taxi. Il va prendre photo du taxi même. Et puis maintenant, vous montez. Ne dites pas, j'ai confiance en lui là, c'est comme si c'est comme ça. Non, c'est un jeune de mon quartier qui roule le taxi. C'est le jeune de ton quartier là même qui va te vendre. Voilà. Prenez toutes les dispositions. En plus de cela, quand tu montes dans un taxi, sois sûr que tu as porté un masque. Le masque, ce n'est pas seulement pour COVID-19. Sois sûr que tu as porté un masque. Si tu as porté un masque, que le monsieur met sur ton masque le produit, ça va agir, mais ça va prendre du temps. Tu auras eu le temps de te battre. Et en plus de cela, que le gouvernement permette à tout le monde d'avoir au moins les gaz lacrymogènes, là, les petits, là, les sprays, là, pour que les gens puissent se défendre. Quelqu'un qui est en train de te faire chose, qui est en train de te mettre le produit sur la tête, tout ce que tu fais, ton petit truc que tu as dans la main, là, tu lui mets ça dans les yeux. Il va te lâcher tout de suite. Voilà. Donc, prenez les dispositions. Et ça, c'est un truc, ça ne coûte pas cher, ce petit produit-là. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ce petit produit-là, il ne coûte pas cher. Vous pompez ça dans le visage de la personne ne peut plus voir clair. Chacun doit avoir pour lui parce que n'attendez pas le gouvernement pour vous protéger. Si vous attendez le gouvernement, vous serez déjà mort. Vous attendez le gouvernement pour vous protéger, vous serez déjà mort. En plus de cela, moi, je vous conseillerais de prendre plutôt des taxis enregistrés où vous savez que le taxi est enregistré dans un système. Comme vous aviez un moment là, les taxis là, qui étaient comme Uber là, en Côte d'Ivoire. Il paraît qu'il y en a plein là-bas. Je comprends que ces taxis là, peut-être que c'est un peu cher tout et tout. Mais on n'a pas le choix. Même si c'est cher, ta vie, jusqu'à ce que le gouvernement dise qu'ils ont réglé cette histoire définitivement, faut te protéger. Vaut mieux prendre ce genre de taxi là. Tu commandes ça en ligne là, et puis ça vient te trouver. Là, ça est dans un système. Quand tu préfères, tu fais capture d'écran, puis tu amènes une personne proche de toi, ton frère, ton mari, ton frère, ta soeur, ton parent, tu amènes ça à une personne pour dire que je suis dans un taxi, voici photo du taximètre, voici tout, tout et tout. Quand tu vas prendre ce taxi-là, tu regardes bien photo du taximètre là pour voir si c'est la même chose que ce qui est sur le app. Et puis maintenant, tu fais capture d'écran, puis tu amènes à ton parent. Si tu disparais, on a le nom, on a la compagnie qui l'a enregistré, on a tout, tout et tout au moins. On sait déjà, au moins même si tu es mort après, on pourra poursuivre celui-là après. Mais protégez-vous, c'est très important. Quant à moi, je sais que, et je vous assure, que c'est l'acte des terroristes. Ça s'est déjà fait. Boko Haram a déjà fait ça. Et nous savons très bien que tous ceux qui ont témoigné au Mali et au Burkina Faso, ils savent très bien que les gens là, quand ils vont, ils prennent les filles et ils les amènent, soit pour faire cuisine, même dans le nord du Mali, où il y a la guerre, au Mali aussi, au Burkina, ils enlèvent les filles, et c'est les filles-là qui cuisinent pour eux. Certaines même ont réussi à s'échapper, certaines non. C'est le même système, c'est arrivé en Côte d'Ivoire. Nous sommes en guerre. Le président de la République ivoirienne doit savoir que nous sommes en guerre. Et ce n'est pas quelque chose qu'il doit prendre avec pincette. Président, nous sommes en guerre. Tu as l'habitude de régler les problèmes des gens. Problème du Mali, tu as mis ta bouche dedans. Problème du Burkina, tu as mis ta bouche dedans. Président, nous sommes en guerre. Il semblerait même que tu as amené des militaires au Mali pour combattre pour les Maliens. C'est bien. Mais nous avons encore une autre armée. Nous sommes en guerre. Prenez une semaine, je ne sais pas combien de temps, ou deux jours, trois jours, pour régler cette histoire-là, pour savoir comment ça se fait que des gens peuvent sortir d'Abidjan sans qu'un contrôle ne les bloque. Avec des êtres humains, des gens attachés, mis à nu,
Comment c'est possible? Alors que nous avons plein de barrages. Jusqu'à même dépasser Yamoussoukro. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Monsieur le Président, il faut revoir. Apparemment, ton ministre de la Défense ne fait pas son travail. Apparemment, ton ministre de la Sécurité ne fait pas son travail. Apparemment, le directeur de la police ne fait pas son travail. Le ministre de la Sécurité intérieure ne fait pas son travail. Monsieur le Président, vous devez faire une réunion exceptionnellement, rapidement, une réunion de la sécurité interne pour voir comment est-ce possible. Si c'est moi, j'ai fini. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. C'était Bobli. Ciao.